aujourd'hui, la préoccupation principale des entreprises, c'est d'une part de pouvoir faire leur business avec les derniers outils et notamment utiliser tout ce qui est cloud computing. Et en même temps, le revers de la médaille, c'est de le faire en toute sécurité. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques, notamment beaucoup de ransomware. Et donc les entreprises ont besoin de se sécuriser. Alors Sophos, nous sommes éditeurs de solutions de sécurité pour les entreprises, donc on existe depuis 1985. On a commencé par l'antivirus, mais aujourd'hui on a donc un panel de solutions qui vont donc de la protection des stations, des serveurs, des smartphones, jusqu'à la protection des réseaux avec des firewalls, le filtrage email, etc. L'ensemble de ces solutions sont administrées par une seule interface, donc on appelle Sophos Central. Donc le côté pratique pour un administrateur, c'est d'avoir une seule interface et d'avoir la vision de sa sécurité à travers cette interface. L'autre aspect intéressant de notre offre, c'est ce qu'on appelle la sécurité synchronisée. C'est-à-dire que à la fois toutes nos solutions donc, remontent dans cette interface Sophos Central, mais en même temps, elles peuvent communiquer entre elles. Donc je prends un exemple. Si le firewall détecte une connexion vers l'extérieur provenant d'une station qui est en interne et que cette connexion est suspecte, il va pouvoir non seulement bloquer cette connexion, mais isoler la station pour éviter que si cette station est infectée, qu'elle infecte les autres machines du réseau. Aujourd'hui, les entreprises travaillent en mode hybride, c'est-à-dire que leurs ressources sont à la fois dans leur réseau, mais aussi dans le cloud. Les utilisateurs, on l'a vu avec la pandémie, ne sont plus dans le périmètre de l'entreprise, mais travaillent à partir de chez eux, en télétravail. Et puis, les fournisseurs de l'entreprise sont partie prenante de la chaîne de l'information de l'entreprise. Donc, vous avez des flux de données qui vont de l'entreprise vers, par exemple, des services. Du coup, les entreprises, aujourd'hui, ont besoin d'une vision globale de la sécurité. Et entre autres, Sophos, avec notre solution donc EDR, qui permet de surveiller l'émergence d'indices de menaces, et aussi nos services tels que le MTR, donc Managed Threat Detection, qui permet de fournir un service de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par des experts de la sécurité de l'entreprise. Nous pouvons donc fournir à une entreprise des services et des solutions de sécurité. La sécurité repose en fait sur des principes qui sont simples en réalité. Et le dernier maillon de la sécurité, ce sont les utilisateurs. Donc le conseil que nous pouvons donner, Sophos, aux entreprises, c'est de sensibiliser leurs utilisateurs à la sécurité, notamment en les formant, en utilisant des outils de test tels que des envois de faux mails de phishing ou de mails avec du spam ou des virus, et de former les utilisateurs de façon à ce qu'ils soient les premiers acteurs de la sécurité, qu'ils puissent signaler quand ils voient un email suspect ou que quand ils ont malheureusement cliqué sur un lien ou sur une pièce attachée, eh bien, ils puissent avoir les bons réflexes, c'est-à-dire par exemple isoler leur station du réseau et arrêter leur station et prévenir bien sûr l'administrateur qui sera très gentil avec eux et qui les félicitera.